De neuf chez Panini Comics, et bien plein de choses sont arrivées, plein de choses sont à découvrir sur originalcomics.fr avec une grosse semaine Deadpool. C'est les 30 ans de Deadpool, vous le savez. D'ailleurs, on vous offre, il est là pour l'achat de deux albums Deadpool. On vous offre le Deadpool, le fascicule Deadpool 30 ans avec des histoires inédites en version française à découvrir pour prolonger le plaisir. Quand il y a un cadeau Deadpool, il faut le dire. Donc, qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Il y a le Major X qui est sorti de Rob Liefeld. Je vous en ai parlé dans une vidéo dédiée avec les épisodes 0 à 6 de Major X, la nouvelle création de Rob Liefeld, 30 ans après Deadpool. Il y a plein d'albums Deadpool qui sont disponibles en deluxe. Il y a Deadpool, le bon, la brute et le truand. Ça reprend les épisodes de Deadpool 14 à 19 et 21 à 25 de la série Deadpool de 2013 par Brian Pochin, je sais pas comment on dit, et Jerry Dugan bien sûr, dessiné par Declan Chalvet et Scott Koblish. Voilà, donc un album à découvrir avec, c'est un tome 2 évidemment, et ça reprend en deluxe ces épisodes là à ne pas rater non plus l'intégrale de Deadpool en enfer, la série de Scotty Young au scénario et Nick Klein au dessin, le fabuleux Nick Klein. Quel dessinateur, ce Nick Klein. Voilà, donc si vous prenez deux de ces albums, je vous le rappelle, vous avez droit au Deadpool 30 ans, bien entendu. Deadpool Assassin, c'est Cullen Bunn qui scénarise et c'est Mark Bagley qui dessine. Là, on n'est pas en deluxe, on est en 100%. Voilà, donc série récente de Mark Bagley sur Deadpool. Mark Bagley, il aura tout dessiné chez Marvel. Ça, c'était déjà sorti, mais je vous le remets quand même. Le Deadpool tome 1 de Thompson et Horak. Voilà, et dans le rayon intégral, ne ratez pas le Punisher 1974-1981. C'est l'intégrale de la semaine. Il y a une autre intégrale qui est sortie. J'en ai plus dans la main parce qu'on a vendu le dernier ce matin. C'est l'intégrale des Nouveaux Mutants. Le nouveau tome est disponible. Je vous en parlerai la semaine prochaine quand il reviendra physiquement. Salut!